Julia Simon signe le 10 sur 10, donc elle va pouvoir ressortir en tête avec Anna Öberg. La Suédoise également réussit le plein. Marketa Davidova va devoir aller sur la note pénalité, alors que Lou Jeanmonod, impeccable, elle aussi réussit le 10 sur 10. Et donc vous avez vu, ça s'est écrémé et nos deux Françaises sont toujours là. Ça s'est écrémé, Lou qui fait un score à sans faute, mais qui va perdre le wagon des deux premières. Vous le voyez, elles sont reparties très vite de ce pas de tir. Elles ont tiré vite, tiré bien, et elles vont se retrouver toutes les deux en tête. Ça va être quasiment impossible pour Lou là de revenir sur elle dans ce tour. On le voit, elle a perdu 4-5 secondes sur ce tir. Elle était à l'entrée du pas de tir à 3 secondes. Elle ressort à 10 secondes. Elle a perdu 7 secondes sur le temps de tir face aux deux solides qui ont tiré à fond et qui sont donc devant. D'un côté, Anna se dit, je suis derrière Julia Simon, il n'y a aucune raison que je passe pour l'aider. Et à l'inverse, Julia, elle a sur son porte-bagage la Suédoise, donc elle a envie peut-être d'en garder un peu. Ça, clairement, ça fait les affaires de Lou. Regardez, la Suédoise, elle n'est pas passée une seule fois. Elle n'a pas pris un relais depuis le départ de la course. Enfin, pas de la course, mais de ce troisième tour. Et Lou va bien résister sur ce tour et rester aux alentours des 10 secondes, peut-être un peu moins quand on arrivera sur le pas de tir. Elle passe à 6 secondes toujours. Oh, la porte est ouverte pour Lou Jeanmonod parce que Anna Öberg va aller sur la note pénalité. 150 mètres pour la Suédoise. Allez, ce serait beau de l'avoir avec un 5 sur 5 pour ressortir au contact, parce que la Suédoise, elle avait quand même beaucoup d'avance. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc là, on passe dans une optique complètement différente. On joue le podium. Elle va aller deux fois sur la note pénalité. Lou, trois fois. C'est terminé pour elle. C'est donc derrière que ça va se jouer pour le podium. Peut-être avec Julia, peut-être avec Anaïs. Elles sont deux Françaises. Dommage pour Lou qui se rate sur ce tir. Qui pour aller prendre la place qui vient de s'ouvrir? C'est pas Julia qui se rate déjà deux fois. Anaïs, pour l'instant, réussit à mettre ses balles. Kebinger également. Reuseland va ressortir sur le podium. Marthe Holzbourg, Reuseland est la première de ce groupe à pouvoir ressortir. Il y a deux tours pour Julia Simon. Ingrid Tendrevold est en train de vivre un enfer sur ce tir. Un tour pour Anna Kebinger. Attention à Dorothée Avira. Anaïs, c'est pas mal, hein. Boucher aussi va devoir aller sur la note pénalité. Anaïs va mais sortir. Un seul tour, oui. Tout comme Dorothée Avira et tout comme beaucoup de filles autour d'elle. Allez, on le surveille. Anaïs va jouer le podium. Ce dernier tour de pénalité pour Anaïs Chevalier Boucher. Anaïs va jouer le podium car c'est ressorti pour celles qui n'ont pas commis d'erreur. Toutes les autres sont sur la note pénalité et il n'y a qu'un tour pour Anaïs. Alors qui avec elle? Elles vont être une ou deux. On calculera également pour le petit globe si ça peut le faire pour Anaïs si elle termine sur le podium et si Julia est plus loin. Il y aura peut-être des choses à regarder. Malheureusement pour Lou, ça a été une cata sur ce tir, du brouillard et puis surtout une situation qu'elle ne connaissait pas. Allez, c'est Kebinger qui sort troisième. Anna juste devant. Qui ressort là. Elle et regardez Anaïs Chevalier Boucher. Elle est juste derrière avec 2 secondes, à peine plus que 2 secondes. Anna Kebinger qualifiée in extremis de cette mass start. Allez, Anaïs Chevalier Boucher pour aller chercher un podium. Allez, pour bien terminer cette saison, mais surtout pour terminer cette carrière. Le dernier tour pour Anaïs Chevalier Boucher et tout donner parce que derrière, attention, il y a des filles qui en veulent également. Il y a Dorothée Avirer et il y a Julia Simon. Ouais, Julia est ressortie 6e. Elle va aller chercher, je pense, hein, ce petit globe de la mass start normalement, oui, sans problème. Et on va vibrer jusqu'au bout grâce à Anaïs. Elle termine en beauté. Alors Kebinger, ça va peut-être pas être facile d'aller la chercher. Elle a déjà 3 tours de pénalité, Anaïs. Kebinger n'en a fait qu'un. Elle a beaucoup plus forcé, la Française, pour combler justement son retard. Mais on sent qu'elle a ce petit supplément d'âme aujourd'hui, forcément, fin de carrière pour elle. Parmi les 3 qu'on surveillait, il y en a 2 qui le jouent ce podium. Anna Öberg, elle va aller gagner tranquillement parce qu'elle a énormément d'avance. Et Marthe Holzbourg-Reuseland, normalement, ce sera largement bon. Elle a 30 secondes d'avance, elle, sur celle qui pointe en 3e position. Elle est devant Anaïs Chevalier-Boucher, a réussi à passer devant Anna Kebinger. Anaïs Chevalier-Boucher qui maintenant doit faire l'effort pour tenir à distance Anna Kebinger. Mais l'Allemande est bien à l'abri dans ses skis. Ouais, elle est revenue, il n'y avait que 2 secondes entre les deux. Donc c'est assez logique de voir qu'elle est revenue sur l'Allemande. Elles sont ensemble et c'est là maintenant où ça ne va pas être simple, c'est de se défaire de l'Allemande qui va bien sûr s'accrocher au maximum pour essayer d'aller chercher ce podium. Allez Anaïs, on va vibrer. On voit derrière que Dorothée Avirer sera trop loin pour jouer quoi que ce soit et Julia n'est toujours pas là, donc ça va se jouer entre les deux pour la 3e place. Soit Anaïs, soit Kebinger. Il va falloir
la jouée stratégique, car pour l'instant l'Allemande a l'air de tenir. Elles sont toujours ensemble, elle n'a malheureusement pas réussi à distancer l'Allemande. Là on va avoir quand même deux suppléments d'âme, bien sûr il y en a pour une, c'est la fin de carrière, alors qu'on salue au passage Marthe Holzbourg-Reusseland, mais pour l'autre c'est aussi cette envie d'aller chercher un premier podium en carrière. Et donc forcément Kebinger, elle ne va pas lâcher l'affaire sur ce coup-là. Anna Heuberg, on la distingue à peine, on la devine. On devine un bras levé vers la tribune qui vient saluer tout le monde. En tout cas, c'est une victoire malgré l'ombre que l'on distingue tout juste. On comprend bien qu'elle est seule sur cette ligne d'arrivée. La victoire est suédoise aujourd'hui sur la toute dernière Mastart de la saison. La championne du monde en titre de la Mastart vient décrocher la dernière victoire possible sur la saison. Et Marthe Holzbourg-Reusseland, quelle carrière! C'est une page qui se tourne aujourd'hui. Marthe Holzbourg-Reusseland embrasse tout un public et on espère que dans quelques instants Anaïs Chevalier-Boucher va faire de même avec une troisième place, partager le podium avec Marthe Holzbourg-Reusseland qui s'offre un petit saut jusqu'au bout. Elle aura fait le spectacle. Oh, cette grande dame du biathlon, elle va forcément beaucoup nous manquer, beaucoup manquer aussi à ses adversaires, à l'image de cette accolade très chaleureuse avec Anna Heuberg et Anaïs Chevalier-Boucher. Bravo, elle a réussi à faire la différence sur la dernière montée avant de repasser derrière les cibles. Ah, quel plaisir de l'avoir terminé avec un podium. Bravo Anaïs. Il y aura des confettis partout pour Marthe Holzbourg-Reusseland et également pour Anaïs Chevalier-Boucher, accueillie dans l'air d'arrivée par son époux Martin Boucher et par sa petite fille Amy. Quelle image Anaïs Chevalier-Boucher qui termine sa carrière de la plus belle des manières par un podium. C'est absolument fantastique, ça nous réjouit, alors que Julia Simon termine en cinquième position. For the last time, Anaïs Chevalier-Boucher. First place.